Dans cet épisode, au coin du feu, je suis avec Sébastien Loeb, qui m'a invité chez lui à la maison au bord du lac Léman. Seb, je le connais depuis presque 15 ans maintenant, et comme je le dis un peu plus tard, il est resté lui-même, humble comme jamais. Il nous partage ses différents moments qu'il a vécu au début de sa carrière, ses différentes rencontres, et aussi toutes ses galères de ses débuts. Vous allez aussi connaître différentes anecdotes de sa vie. Et comme certains le savent, Seb, pour moi, est indirectement un important tremplin dans ma vie. Merci, frère. Bon, Seb, merci de m'accueillir chez toi. De rien. au bord du lac Léman. C'est un peu romantique, là. Hein. Ouais, tu vois. Ils m'ont juste les bougies, là, on est bon. On a le feu, ça. Et il y a le feu dans les yeux, alors ça, c'est... Mais moi, la flamme, elle me suit à chaque fois, ça, c'est un truc... Est-ce que toi, un feu de cheminée, ça, c'est pas romantique, c'est non, toi qui veux des bougies. Je sais que tu me l'as proposé, mais... Non, t'avais dit à gaz. Cheminée à gaz, ouais. Cheminée à gaz. Ouais. Après, ça pourrait être stylé. Et surtout que c'est moins compliqué à allumer. Ouais, c'est vrai. Et t'as moins de... Mais bon, t'as de l'expérience. De flamme après dans les yeux, ouais. Parce que là, je sens qu'on va galérer. Je te dis, moi, elle me suit à chaque fois la flamme. Mais en tout cas, merci déjà de nous accueillir chez toi. Rien. En fait, moi, ce que je voudrais savoir déjà de base, c'est par rapport... Parce qu'on connaît tous Sébastien Loeb, qui est 9 fois champion du monde, 10 fois même en junior. Oui. Mais c'est ton enfance, en fait, comment... Toi, à la base, tu t'es dit que tu as ce talent, tu as ce don. Parce que tu as un don, ça tout le monde le sait. Ah putain, quand c'est à moi de parler, c'est moi qui ai voilà, le Voilà, c'est feu, toi en fait. Qui... C'est... comment je m'en suis rendu compte À quel âge, par exemple? En fait, j'ai toujours été assez démerde avec les... Déjà avec les vélos, à rouler sur les roues arrière, les machins comme ça, bon ça, ok. Après, un jour, j'ai participé à des courses de mobilette. Les 6 heures de Haguenau, j'avais fait une autre course aussi à Strasbourg où en fait je m'étais tout de suite révélé, j'étais tout de suite devant mes copains. C'était du pilotage, c'était du deux roues, mais c'était quand même déjà du pilotage et puis j'adorais ça en fait. Et puis ensuite, je dirais que quand j'ai eu mes premières voitures, qu'on roulait sur la route parce qu'on aimait tous les petites voitures de sport. À l'époque, il y avait pas mal de monde sur Agno qui avait des 205 GTI, des trucs comme ça. Et surtout à cette époque-là où il y avait ces caisses-là. C'est ça. C'est pas comme aujourd'hui, tu vois. Où, ouais. Là, il y avait des bonnes caisses encore à l'époque que tu avais envie de rouler. Des petites voitures compactes qui avaient moins de puissance que les grosses caisses d'aujourd'hui, mais qui étaient amusantes à conduire en fait. Et ouais, en fait, je voyais bien que globalement, je me débrouillais plutôt pas mal par rapport aux copains. Mais bon, j'avais pas les moyens, j'avais à peine les moyens de mettre de l'essence dans ma voiture déjà. J'aimais bien aller m'amuser sur des petits chemins dans les champs, des trucs où il y avait de la visibilité, pas de danger, à essayer de passer un virage de la façon parfaite et tout, au frein à main, tout ce qu'il fallait. Et sans ambition en ce moment-là, juste que ça m'amusait. Et puis un jour j'ai vu Rallye Jeune, l'opération Rallye Jeune. J'ai vu que en s'inscrivant pour c'était quoi 100 francs à l'époque, donc l'équivalent de 15 euros, on pouvait participer à des sélections et puis que le meilleur gagnait une saison et tout. Et je me suis dit je vais faire ça, limite même sans penser que je pouvais gagner, mais en me disant en pensant que tu avais le truc, je vais faire une course en fait, ouais. Tu vois, ouais, c'est vrai. Entre des plots, mais tu as fait une course. Quoi. Voilà, et puis en fait, c'est ça qui m'a révélé, parce que je me suis retrouvé à gagner les régionales de la sélection, finale nationale, premier sur la finale, meilleur temps absolu à la fin. Mais finalement, le jury a décidé que celui qui avait roulé moins vite, il roulait mieux, mais moins vite. Bon, bref, une magouille. Et ça, c'est un peu bizarre aussi, non? Ça, c'était assez bizarre. Ouais. Mais, tu penses pas que c'est un peu bidouillé? Ah, ou... si, si, j'en suis bien sûr. Bref, c'est passé depuis longtemps. Mais en gros, le mec en face, on l'a jamais entendu après, au final. Celui-là qui a un gagné peu, vraiment. Un peu, si, un peu quand Nicolas même. Nicolas Bernardi à l'époque. Nicolas Bernardi qui a fait. Ah, mais ok, ouais, ouais. Il a quand même roulé. Ouais. Mais bon, bref, l'année d'après, au final, je suis reparti de là en pleurant, en me disant, putain, j'avais gagné, et puis finalement, c'est pas moi, et je repars chez moi, et j'ai toujours rien. Et l'année d'après, j'ai quand même refait cette sélection, même si je m'étais fait un peu. À voir, mais j'ai quand même refait la sélection en me disant voilà, de toute façon j'ai rien d'autre à tenter. J'ai regagné les régionales, j'ai de nouveau dominé la finale nationale. Là c'est moi qui fais une erreur à la fin, donc je gagne pas. Mais t'as tapé un plot alors ou... Ouais, j'ai raté un freinage pour une chicane en fait. Au moment de passer de l'accélérateur au frein,
je suis resté accroché sous la pédale de frein avec le pied. Ah merde, ouais, ouais. Donc, et donc resté, ça m'a ouais, fait ouais. Les 3 dixièmes de temps de retard sur le frein. Et au rallye jeune, si tu tapes un plot, c'est mort, de toute façon. Fini. Bah là, ah, voilà. Enfin, là c'est les finales, c'était sur circuit. C'était sur le circuit du Luc ce jour-là. Mais il y avait des chicanes pour ralentir dans les lignes droites, des petites chicanes comme ça. Ouais. Et j'ai tapé une chicane et voilà. Et en fait, mais suite à ça, il y a quand même eu Dominique Arins qui m'a appelé. Ouais. Pour me dire, tiens, j'ai quand même vu que 2 ans de suite, tu sors premier sur 15 000 gars en France. Et tu avais invité à boire un café chez lui. C'est ça. C'était ça. Hein. Il m'a dit, si tu veux, j'ai peut-être des idées pour toi. Si tu veux qu'on en parle, tu passes chez moi boire un café. Et donc j'y suis allé. Et puis ben voilà, on a sympathisé. Il était avec son associé Rémi Mamosser. Eux avaient une petite assoce, ils couraient eux-mêmes pour se faire plaisir comme ça, machin, sans ambition, pour le plaisir, comme la plupart des gens qui font du rallye. Et puis ben finalement, ils ont basculé leur passion sur moi, ils ont investi dans une voiture, ils ont commencé à me faire rouler, j'ai commencé à faire les meilleurs temps à chaque fois dans ma catégorie, me faire remarquer. Et puis voilà, pour finir par gagner le trophée Saxo Kit Car, après quelques déboires quand même avec une voiture. Parce que tu avais quand même quelques soucis à la base avant d'y arriver quoi. J'ai quand même craché 2-3 caisses je crois, non? J'en ai pas cassé beaucoup par rapport à la moyenne, mais vu que j'avais quand même tendu, pas beaucoup de budget par rapport à la moyenne non plus, j'avais pas trop droit à l'erreur. T'étais sorti avec la fameuse Saxo verte là, celle-là elle a failli me coûter vraiment cher. Ouais c'est ça, c'était le moment fatidique en fait. Si tu veux, les voitures de rallye, elles sont assurées. On les assure, tu payes cher l'assurance, mais en cas de crash, tu as l'assurance qui te la rembourse, en tout cas à un montant donné. Et là, elle n'était pas assurée. En essai, elle n'était pas assurée. Et en plus, ben, ce jour-là, j'étais encore un peu jeune, un peu con, un peu tout, avec Daniel. On était livrés à nous-mêmes parce que Dominique et Rémi n'étaient même pas encore descendus sur le rallye. J'avais cassé la voiture au rallye d'avant. La verte, que personne n'a jamais vue, en fait, On a remonté la voiture qui était cassée au rallye d'avant avec l'assurance. Et là, comme c'était une voiture toute neuve remontée, il fallait faire un roulage avant pour pas qu'elle tombe en panne dans la première spéciale, tu sais, quand elle vient juste d'être remontée. Et ce petit roulage, on l'a fait nous-mêmes, entre Daniel, moi, les mécanos, mais une bande de gamins un peu cons et personne pour nous gérer. Et à un moment, la voiture, elle déconnait, on roulait encore 2 nuits à bloc. À un moment, je sors de la trace, je suis dans le gravier, je pars en tonneau, je pète tout. Et puis j'ai raconté que c'était un chevreuil. Il n'y avait pas de chevreuil. Il le sait ça aujourd'hui, ouais. Ouais, il le sait. Il n'a pas découvert dans son livre. Si, c'est pas loin de ça, je crois. Là, ça me dit, ça me dit quelque chose. Et puis j'ai toujours mon adversaire et pote Béringuet de l'époque qui était mon adversaire en Saxo Kit Car. Chaque fois que je le recroise, il me dit, je l'ai vu. Le chevreuil avec le cul vert. Avec la peinture verte qui collait aux fesses. Et justement, à ce moment-là, toi, tu avais un mec, parce qu'il y avait. Tout le monde le sait, hein. Il y a Dominique Heinz qui t'a lancé, enfin qui a hypothéqué sa maison, ça tout le monde le sait. Il y avait une deuxième personne, on n'en parle pas trop, c'est Richard Parizeau. Il y avait plus qu'une deuxième personne. Alors si on veut faire l'histoire, il y avait Dominique Heinz associé avec Rémi Mamosser, qui n'était plus dans l'histoire. Oui, ça c'était tout au début, ouais. Mais c'était Dominique Heinz et Rémi qui m'ont aidé ensemble. Qui t'ont lancé. Qui m'ont lancé. Et suite au moment du crash. Voilà. Voilà, suite au chevreuil. Voilà, le fameux chevreuil. Ouais. Vous l'avez bouffé au moins le chevreuil après vous. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et suite à ça, effectivement, on était vraiment en galère parce que eux, comme tu dis, ils avaient hypothéqué sa maison et c'est des mecs qui gagnaient bien leur vie pour des gens normaux, mais pour financer une saison de rallye avec une kick-car. Fallait prendre le risque quand même. C'est d'autres budgets. C'est pas. Et là, vu les dégâts, on n'a pas pu faire la course d'après. Et Dominique m'avait emmené en me disant, faut que tu ailles te montrer, parce que j'étais le jeune espoir français déjà dans le rallye. Et d'un coup, plus de budget, plus de voiture, terminé, je roule plus. Et t'as fait quoi? T'es allé au pied des podiums sans On caisse, est allé au rallye que je vais faire. Un des gars de Citroën qui déjà m'avait repéré à l'époque m'a dit, tiens, attends, j'ai un concessionnaire Citroën. Sympa, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec lui. Il nous avait mis en relation avec Dominique. Et puis le gars-là, donc Richard Parizeau, lui, il avait adoré l'histoire de Dominique qui sort de nulle part, qui hypothèque sa maison, qui me fait rouler, tout ça. Et c'est ça qui l'avait fait triper. Et il s'est dit, tiens, je vais leur filer un coup de main. Et puis voilà, il avait payé la moitié des réparations.
Puis on a pu se relancer, donc là c'était super tendu parce que je repartais sur des courses. Si je repartais dans un mauvais cycle et que je recassais et tout, je pense que ça se terminait. Et tu en as gagné 3 en fait. Finalement, je gagne les 2 courses qui suivent. Ouais. Je ne sais pas s'il y en avait 3, mais je crois au moins 2. C'est dans ton livre, je l'ai lu. Hein. Bah alors je crois que c'est 2. On vérifiera. En fait, première spéciale tétanisée à l'arrêt complet par rapport au rythme qu'il fallait avoir à ce moment-là. C'est clair. Et puis j'ai vite repris confiance et puis finalement j'ai réussi à regagner dans ces formules de promotion comme le trophée Saxo. Ça c'était quoi? C'était en 97 alors? Ou 96? Non, 97, 106, 98. Ouais. 98 alors, ouais. 97, okay, ouais, 106, c'est ma première saison, mon Fleury Bal 97. Première course. Mais là, tu n'as pas gagné le championnat parce que tu avais... Là, j'ai pas gagné le championnat, mais j'ai gagné les 2 dernières courses. Ça nous permet de nous rétablir parce que dans ces formules promo, tu as des primes. Quand tu gagnes le rallye, tu reçois une dotation de pneus, un budget qui te permet plus ou moins de financer la course d'après. Pour la saison prochaine. Ouais. Ou la course d'après déjà dans un premier temps. Et donc, ça a remis un peu le truc à flot et on est reparti dans une saison, 99, où je gagne le trophée Saxo. Et puis après, ça est encore une fois un petit peu compliqué. C'est vrai, ouais. Parce que là, parce que je gagne la Saxo. Ouais. Dominique et Rémi, ils disent, ça, on y est arrivé, on l'a emmené jusque-là, il a gagné la Saxo. Nous, on a rétabli les trucs. Ils sont allés au casino. Non, je pense qu'ils ont vendu la prime de fin d'année, on a reçu une voiture, ils ont vendu machin et tout, et ils ont vendu la voiture de course, et je pense qu'ils ont à peu près rétabli leurs finances. Et ils sont sortis, et ils étaient contents de s'en être sortis, machin. Et suite à ça, je me retrouve de nouveau un petit peu seul. Et là, il y a pourquoi seul alors? Bah seul parce que eux n'ont plus forcément de voiture à me proposer. Ok, ouais. Et Citroën voudrait bien que je continue, mais bon, Citroën, à l'époque, ils voudraient que je continue, mais ils ne donnent pas d'argent pour le faire. Et j'ai trouvé un partenaire encore qui s'appelait Frédéric Schmitt, qui m'a payé la première course en championnat France Terre. Parce que Dominique, à l'époque, on est resté proche. Il voulait juste plus prendre les risques financiers qu'ils avaient pris jusque-là. Et il me dit, maintenant, on t'a donné ta chance, débrouille-toi, je ferai du championnat de France Terre pour prouver à Citroën et aux constructeurs que tu es aussi capable d'aller rouler vite sur la Terre. Parce que l'avenir du rallye, c'est le mondial et c'est la Terre. Et donc, j'avais réussi à trouver un partenaire qui m'avait payé, donc Frédéric Schmitt, la première course sur la Terre en championnat de France, où je gagne la catégorie. Et ensuite, Citroën me dit, tiens, il faudrait continuer, machin, mais j'ai plus de sous. Ils me disent, bah tiens, on te prête un moteur, ok, machin, parce que ça, c'est le gros risque, le moteur, en tant qu'amateur. Ouais, ouais. Et bah, si tu le pètes, c'est trop cher, en fait. Et je gagne la deuxième course. Et de là, il y a Champeau, qui lui aussi m'aidait déjà un petit peu à ce moment-là, qui s'associe plus ou moins avec Citroën. Ils me trouvent, et d'un coup, ils me disent, bon, écoute, on a trouvé le financement. Tu finis le championnat en tant que pilote Citroën, je ne suis pas payé, mais j'ai plus besoin de trouver des sous pour rouler. Quoi, en fait. Et ça a été le premier déclenchement. Et en parallèle de ça, Champeau m'a fait rouler sur des grosses voitures en championnat de France, Mégane Maxi, etc. Et ce qui a fini par convaincre Citroën que, ok, même sur des grosses voitures, j'étais capable d'aller vite. Et ils m'ont fait rouler au championnat de France, au VAR, en championnat de France pour la première fois en 2001. 2000, parce que 2001, je fais le championnat complet. Ouais. Que tu as gagné? Je gagne le VAR. Ouais. À ma première course avec la Xara, dans une grosse bagarre, avec de la pluie et tout, c'était compliqué. Et puis ça a convaincu Citroën, finalement, de me confier une Xara pour le championnat complet l'année d'après, que je gagne. En parallèle de ça, je faisais des manches en mondial avec une Saxo Kicker. Tu faisais les deux la même année? Qui était le championnat junior. Ok, ouais. Oui, le fameux. Le fameux que je gagne. Ok, ouais. Et suite donc au fait que je sois champion de France et champion du monde junior, Citroën arrivait juste en mondial à l'époque avec la nouvelle WRC. Ils n'y étaient pas avant? Ils avaient fait quelques courses avec la Xara Kit Car, qui était la deuromotrice et qui, sur l'asphalte, avait fait des super perfs et avait battu les WRC parfois. Ouais. Et là, eux, c'était leur arrivée en mondial en WRC, en fait. Et donc, sur la dernière course du championnat, vu que j'avais donc gagné le titre dans les deux autres championnats, ils m'ont fait rouler. Ils ont mis une troisième voiture, ils avaient leurs deux pilotes officiels. C'était Bugalski et Puras en espagnol. Et ils m'ont mis une caisse à moi. Et en fait, à la fin, c'est moi qui me bats pour la victoire avec Panizzi. Je finis à 11 secondes à la fin.
Et là, ça a été le déclenchement de tout parce que après, tu as tous les constructeurs qui me contactaient. Avant, je leur envoyais des fax parce qu'à l'époque, c'était encore des fax. Hein, désolé. Alors là, tu mets un coup de vieux. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est moi qui le prends. Mais, ouais, moi aussi. Hein. Même le Minitel. Hein. Et j'avais contacté Mitsubishi, Subaru, enfin tous les constructeurs en disant si vous avez besoin d'un pilote d'essai pour faire une journée d'essai ou machin, je suis dispo, tout. Limite, ils me répondaient ou pas, mais bon, il ne se passait rien. Après, le San Remo, deuxième, en bagarre jusqu'au bout. Le gars qui sortait de nulle part, là, tu leur as mis la race. D'un coup, Subaru a débarqué à Strasbourg, on te propose contrat complet, saison complète, machin. À toi tout. Ouais. Sérieux, ouais. Et t'as pas accepté, ouais. La Citroën me proposait une moitié de championnat déjà. Ouais. Parce qu'eux ne faisaient que la moitié, ils arrivaient progressivement, donc ils ne pouvaient pas me proposer un championnat complet. Mais quelque part, c'est grâce à eux que j'étais arrivé là. Et eux voulaient me garder. C'est ça, et, ouais. Donc, par respect pour tout ça et sans regret aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai fait avec eux, forcément, donc je suis resté et puis voilà, on a fait 9 titres derrière. Tu vois, déjà là, tu avais ces valeurs-là, du respect que tu as encore aujourd'hui, je trouve, tu vois, après tout ce qui s'est passé. Oui. Donc tu l'avais déjà au début, ouais. Bon, toi, tu étais plus à l'aise sur l'asphalte aussi, hein. Au début, ouais. Au début, tu avais gagné l'Allemagne, justement, c'était ton premier rallye WRC. Ma première victoire pour moi, c'était le Monte-Carlo. Mais ils m'ont retiré à la fin du rallye. J'avais gagné avec une grosse bagarre face à Mäkinen tout le long. Une pénalité, non? Ouais, mais une pénalité qui servait à rien. Enfin, si, qui servait c'est à rien. C'est pas Elena qui avait. Non, non, c'était pas lui. C'était pas lui. celle-là, c'était pas lui. On va dire que c'est lui. On coupe et on va dire que c'est lui. Non, celle-là, c'était l'équipe, en fait. Ok, ouais. Mais un truc qui n'a donné aucun avantage. C'est-à-dire que quand tu rentrais la voiture au parc fermé le soir, de l'assistance au parc fermé, il y avait 100 mètres à Monaco sur le port. Suivant la durée d'assistance précédente, tu avais le droit ou pas de changer les pneus. Normalement, on faisait toujours une assistance 45 minutes le soir. Tu changeais les pneus, tu mettais des pneus de liaison ou des pneus de série, ce que tu voulais, juste pour aller la garer au parc. Et le lendemain matin, tu remets les pneus pour la course. Et là, ils avaient inversé. L'assistance longue, elle était le matin. La courte, le soir, c'était une assistance 10 minutes. Dans une assistance de 10 minutes, c'était marqué réglementairement que tu n'as pas le droit de changer les pneus. Ils avaient changé les pneus, j'avais fait 100 mètres avec pour rentrer au parc. Ah merde. Et donc, pour j'étais ça, t'as hors perdu. Règlement, donc pénalité. Ouais. Même si ça m'a rien apporté à moi. Ouais. Mais c'était pas ta première victoire, quoi. Mais officiellement, officieusement, voilà. C'était. Pour moi, dans première. Ma tête, c'était resté ma première victoire. Après, effectivement, il y a eu la première vraie qui est arrivée quelques temps après en Allemagne. C'est un peu comme en 2003 quand tu as dû ralentir pour faire gagner l'équipe. C'était aussi une frustration pour toi. Et à la base, c'est ce qui t'a donné la pêche, tu vois, par après, je pense. Ouais. Parce qu'ils t'ont dit, il faut laisser gagner Solberg, enfin Citroën. Citroën voulait que j'assure en fait. Et toi, tu étais en bagarre avec Solberg, tu aurais pu le battre. Et si je l'avais battu, j'aurais gagné le championnat. Ouais. Mais tu as eu des consignes. Et j'ai eu les consignes de ne pas faire d'erreur. On m'a pas dit interdiction de te battre, on m'a dit interdiction de sortir de la route. Mais toi, dans ta tête, tu t'es dit, tu mets un peu de. Interdiction de sortir de la route, c'est ma première année de contrat avec voilà, je l'ai respecté. Puis voilà, mais après, ça m'a effectivement servi de leçon. Je perdis le championnat pour pas grand chose, je sais pas si c'était pas un point justement, je crois, si c'est un point. Ouais, je crois. On l'a perdu à ce moment-là, mais on l'a perdu à d'autres moments de la saison, le championnat. On l'a perdu en Turquie quand on s'est paumé en liaison, qu'on est tombé en panne d'essence. On l'a paumé sur d'autres saisons, probablement aussi de ma faute à moi. Ouais. Et après, je me suis dit, ça m'a servi de leçon, je me suis dit, tous les points que je peux prendre, il faut jouer le truc jusqu'au bout à chaque fois pour. Rien laissé au hasard, et puis je pense que ça m'a servi derrière. C'est ce que Elena disait aussi, c'est le but c'est de pas d'en gagner beaucoup. Enfin, le but c'est de moins en perdre en fait. C'est ce qui te fait gagner aussi le championnat à la fin. C'est quand tu peux te battre pour la victoire et prendre les 25 points à l'arrivée, faut pas s'en priver. Mais si à un moment tu es obligé de prendre trop de risques pour potentiellement y arriver, mais tu risques de tout perdre, des fois je préférais m'assurer, me contenter d'une deuxième place. Ce qu'un mec comme Gronholm ne faisait pas. Vous n'arrivez pas à faire parce qu'il voulait toujours tout donner. Et à un moment, bam, fini. Et puis là, je prenais 25, moi, et lui prenais 0 ce jour-là. C'est ça. Donc, L'Advala était comme ça aussi un peu, non? Un peu tête brûlée à passer sur. Et justement, par rapport à Danos, vous vous êtes rencontrés par hasard dans une boîte. C'est pas tout à fait un hasard. C'était pas un hasard? Non, c'était quand même pas. C'est qui avait prévu le coup, là? Non, mais. Toi, tu étais en manque de copilote et lui, il avait pas de pilote. Ouais, mais on était sur une course, ensemble, ce jour-là. On était. Parce que moi, il m'a dit, vous étiez en soirée échangiste. Voilà. Voilà, c'était voilà. Ça alors le. À Marrakech. À Marrakech, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ce qui. Voilà. Non, on était au rallye de Cévennes, qui était le dernier rallye de la saison du volant 106, 97.
Et lui courait avec un autre gars, moi j'avais un autre copilote, un Alsacien, Christophe Schneider. Et en fait, sur ce rallye, moi j'avais tapé, ma voiture était tordue, mais après j'avais quand même réussi à m'adapter à la voiture tordue, on n'arrivait pas à la réparer, la roue arrière était comme ça, la voiture roulait en crabe. Et à la fin, je me suis adapté à ça et je gagnais les spéciales quand même. Et mon copilote, il voulait sortir, il voulait. Il faut arrêter, t'es cinglé, machin, tout, peur. Bon, bref. Et Daniel, lui, son pilote, c'était sa dernière saison, il avait décidé d'arrêter. Mais on s'était fréquenté pendant la saison, par exemple, même au Cévennes, on habitait ensemble dans le même gîte, parce qu'à l'époque, tous ces pilotes-là, enfin, le promo, on n'avait pas forcément beaucoup d'argent. Donc, on louait des gîtes ensemble, ouais. Et puis on faisait, ça nous coûtait moins cher. Et donc, j'avais déjà passé la semaine avec Daniel à se côtoyer au resto, machin, ou au gîte le soir, etc. Et à la fin du rallye, ben, effectivement, soirée de fin de rallye en boîte, au bar, et puis je me retrouve à côté de lui au bar, et puis on discute. Et, fais quoi l'année prochaine, bah, je sais pas, et puis voilà, bah tiens, pourquoi pas essayer de partir ensemble. Et puis voilà, c'est effectivement la discussion, la décision de partir ensemble s'est faite au bar, en boîte. Et c'est là que ça a commencé, quoi. C'est là que ça a commencé, ouais. Toute l'histoire avec lui, ouais. Il y avait quand même des trucs en amont, quoi. Ouais. Bah, on se connaissait. Voilà, ouais, c'est ça, pas ouais. Je l'ai rencontré par vous hasard pas au vu bar. La première tiens, fois tu fais quoi ici, ouais. Moi je suis copilote. Ah non, moi je suis pilote. Ouais. Et... Non, et après c'était les galères, quoi. Vous avez habité ensemble un moment aussi chez ta mère. Ouais, bon, galère ou pas galère, j'avais déjà... Enfin, quand je dis galère, ouais, c'est que... C'est qu'on avait... À l'ancienne, quoi, sur le canapé. Oui. Ouais. Pas forcément beaucoup d'argent à l'époque pour, ouais, ouais, non, mais c'est pour sûr. Le reste, mais... C'est encore rustique, je trouve, tu vois. C'est ce que je voulais te demander aussi, c'est par rapport au WRC d'aujourd'hui et de l'époque, c'est quand même différent. Je pense que tu... Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, mais... Tu crois que les... Après, à la fin, on doit se faire prendre par les pompiers avec le masque et tout ou Par rapport à quoi, aux voitures, tu dis? Non, par rapport ah, à par ça. Rapport à ça. Putain, mais là, on va partir en brancard. Toi, tu pleures. Bah oui, mais toi aussi. On est ému. Ouais. Ça faisait si longtemps que je t'avais pas vu. Ah, mais c'est ça, putain, ça fait ben, un an quasiment. Ouais. Ouais, donc on en était où? Ouais, oui, on... On habitait effectivement, c'était pas forcément ouais, c'était un peu à l'arrache quoi. Enfin, c'était ouais, à la bonne franquette, bon, on va dire. On ouais. Était quand même deux potes ouais. Qui habitaient ensemble, ok, sur le canapé de ma mère, mais bon, on passait notre temps ensemble. Mais c'était bien. On était potes, on avait c'est la ça. Chance ouais. De pouvoir faire des rallyes. C'est peut-être ce qui vous a aussi uni, je pense, enfin, qui a créé un truc, une complicité mais, et tout. Tu vois, entre vivre cette vie-là et devoir aller tous les jours à l'usine. C'est je ne peux pas dire que j'ai vécu une période de galère, tu vois. Ouais. On avait la chance de faire des rallyes. Okay, on devait bosser un peu à côté, se débrouiller, mais... Oui, parce qu'au début, toi, bah, d'ailleurs, on a un point en commun avec ça, c'est que toi, tu as un BEP électro. Ouais. Et moi aussi. Toi, tu es pilote, moi aussi. Ouais. Pourquoi tu rigoles? Ouais, je rigole pas, c'est toi qui rigole. Et ouais, du coup, toi, tu as connu ce monde-là de chantier, de, tu vois, tu avais quoi, 17-18 ans, je pense. Quand tu étais en BEP, moi, t'as fait le bac pro toi? Non. Ah, je suis arrivé, non plus. Je suis t'as le brevet? Le oui. Brevet décollage, tu l'as? Et avec une meilleure note que toi. C'est possible. Surtout en maths. Ça, c'est vrai. Après, ta mère était prof de maths. Ça, ouais, donc c'est vrai que moi, en maths, j'avais une moyenne de merde. C'est inné. Ouais, c'est vrai. C'est combien j'ai eu au brevet en maths? Allez, 16? 20. Non, mais c'est pas possible. Si. 20, ça n'existe pas. Si. Sérieux? Ouais. Non, mais vraiment, vraiment. Ouais, vraiment, ouais. Vraiment. 20 en maths, je crois 16 en français, 8 en histoire, parce que l'histoire fallait apprendre, ça me faisait chier déjà. Et en musique? Non, mais. À la flûte. Ouais, j'avais 7, ça m'a niqué le. 20 ouais, en maths, sérieux? Ouais, si, ouais, j'avais 20 en maths. Par contre, après, donc après, je suis parti en première S, scientifique. T'as fait scientifique, toi? Ouais. Putain, ça, je savais pas, par contre. Ouais, mais ça s'est arrêté. Attends. Donc, pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est le seul truc où. Parce que j'étais un branleur et que c'est le seul truc et où ça, on j'ai s'est pas dit hein. Avec. Avec de la logique, on peut ouais, y arriver, ouais. Mais du travail, de toute façon, il n'y en aura pas. Ah, donc, ça, je savais pas, tu vois. Je pensais que tu avais fait BEP, machin, et après, tu as sur mais les ça... chantiers, tchao. Non, mais j'ai fait seconde, donc ensuite, première S. C'est là. Parce que là, il aurait fallu bosser un peu et se c'était mettre dedans. C'était pour les gonzesses, tu peux le dire. Non, franchement, tu sais quoi, à l'époque, c'était plus les mobilettes que les gonzesses. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'à cette époque-là. Mais bon, les potes, les mobilettes, les machins, j'ai pas bossé. Donc finalement, j'ai coulé, j'ai redoublé ma première. La deuxième était pire que la première parce que j'allais même plus à l'école. Pas trop. Et donc, suite à ça. Ouais, suite à ça, on va remettre du feu. Ouais, donc en gros, t'as pas terminé sur le BEP, quoi.
Ouais. Tu étais en S et après. Ouais, en gros, j'ai fait deux premières S. C'était de pire en pire. Parce que je bossais pas. De pire en pire. Ouais, bah, la deuxième, je faisais encore moins. Comme que la le première. Feu, quoi. On va prendre feu, là. et puis, ouais, donc après, j'ai commencé à faire des petits boulots à la con. En gros, mes parents m'ont dit bah, écoute, si tu veux pas bosser à l'école, tu vas aller bosser en usine cet été. Tu avais fait de l'usine alors? Comme ça, tu vas voir ce que c'est. Donc, j'ai bossé à Duravit. Je fabriquais des supports pour faire sécher les chiottes. Je savais pas non plus. Hein. Voilà. Ça, tu l'as pas dit dans le livre hein? Je sais pas. Oh, tu l'as pas dit. et puis, donc, bah voilà, donc j'ai fait ça et finalement, bah, je gagne un peu d'argent. Et plutôt que de me motiver à aller à l'école, ça m'a motivé à continuer à bosser un peu pour gagner des sous et m'acheter une voiture. Donc, ça, c'était devenu mon objectif. Ce qui n'est pas. C'est pas un exemple hein, tout ce que je suis en train de dire, parce que je pense pas que ça soit l'exemple à suivre, hein, on est bien d'accord. J'ai eu la chance après d'avoir du talent et d'arriver à faire ce que j'ai fait, mais c'est pas un exemple à suivre, mais j'ai enchaîné les boulots plus ou moins inintéressants. T'es beaucoup ému aujourd'hui, hein. Ouais. Oh, bientôt, j'ai déjà pas beaucoup de cheveux, mais... Et on va cramer, je te jure. Bon, je me mets comme ça si ça dérange pas. Hein. Les pompiers, ils sont loin là. Je sais pas, mais on a de l'eau. Ils vont venir en. On a pas mal d'eau. Oh, purée, et... là ça. Et donc, ouais, donc j'ai enchaîné ces boulots pour finir à l'ANPE et puis pour qu'on me propose finalement, ils demandaient un niveau première ou terminale pour faire un BEP en alternance en un an. Ah, donc c'est venu de là après. Que je suis arrivé. Okay. J'allais au BEP en voiture. Ouais, donc au début, t'as vraiment vécu. Et puis après, enfin, voilà. Et puis bah, après, c'est parti jusqu'au jour où le rallye me prenait plus de temps qu'autre chose. Ouais. Et puis. T'as fait un choix après de. Et puis j'ai décidé de miser là-dessus. Et puis voilà. Et moi aujourd'hui, je vais faire un choix de te faire goûter un truc, tiens. Ouais. Alors ça, c'est une Kirsch de 92 de Sébar. C'est mon beau-père qui l'a distillé en 92, du coup, vu que c'est marqué. Ah, c'est l'année de mon permis. C'est rien? Je crois bien. Hein. Ah bah alors ça c'est un signe, hein. Ouais, tu vois. Je sais pas lequel, mais le gars il trouve des signes partout. Fais gaffe avec le feu. Ouais. J'ai commencé avec les bidons d'essence. Ça a eu le permis en 92. Ouais. Putain, en 2005. Ouais. C'est là où tu étais champion du monde la deuxième fois. Je cherche des signes, hein, mais ouais, ça, on s'en fout. Mais donne-moi ton verre plutôt. Normalement il est... Oh putain, ça faut pas que je me gourde de verre. Hein. Merci encore. Hein. Merci. Ah, il passe. J'en bois pas souvent à 13h, mais mais bon. Et du coup, après, t'avais, bah, avec Daniel, ouais, il y a eu ce feeling. C'est là où je voulais en venir avant. Mmh. Et c'est là où vous avez commencé les championnats. Il y a eu ce, il y a eu 2004, premier championnat du monde. Vous gagnez en Suède. Première victoire aussi sur un pays nordique où aucun Français l'a fait. Oui. Et vous l'avez fait, forcément. Alsace-Monaco ensemble. Mmh. Et ça, c'était la saison. Ça, c'était la première. C'était la saison ouais, qui a tout. Comme toi, la saison dernière, tu avais commencé à l'Alsace-Bossu, non? C'était parti, t'es parti pareil, non? Moi, je suis parti comme toi avec la Saxe verte. Il y avait un chevreuil. Il y avait un chevreuil. Maintenant, faut que je te le dise, il y avait un chevreuil. Maintenant, tu m'as montré l'embarqué. Putain, c'est vrai. Tu aurais fait quoi, toi, maintenant, dans mon cas? J'aurais pris le virage, en fait. T'es en train de me clasher, non? Parce que j'ai décéléré et elle est partie tout droit. Ouais, mais je pense que tu avais effectivement pas déjà. Beaucoup de grippe voilà. Ce jour-là. Ça, alors, je suis d'accord. Tes pneus devaient sûrement pas avant. Être... Je l'ai dit à Letty, j'ai dit putain, je sens que j'ai pas de grippe. Alors, faut aller moins vite alors. Mais bon, après, on en a ri après. Mais oui. Bruno, il a moins rigolé hein, quand je l'ai appelé. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Ah, parce qu'il avait sponsorisé la voiture et du coup, je l'ai cassé parce qu'on devait faire le film qu'on doit, qu'on va faire, mais qu'on n'a pas fait cette année, mais qu'on va faire. Je pense que c'était un signe. Je pense que le destin m'a mis dans le fossé pour faire mieux l'année d'après. En tout cas, tu as une bonne marge de progression. Je sais pas si c'est crédible ce que je dis, mais... Si, mais tu as fait 200 mètres, donc normalement, tu devrais réussir. Ouais, j'ai fait 4 virages, 52 secondes. Ah oui. Si tu regardes bien la caméra embarquée, tu le vois sur le chrono de Letty. Ouais. Mais voilà, c'est... Ouais. C'est la vie. Voilà. Et maintenant, je sais plus de quoi on parlait avant. Voilà. Tout, juste avant, quand on était encore sur moi, tu parlais de la saison 2004, qui était la première c'est saison. C'est ça, on était sur la Suède. Ouais. Et que là, c'est la Suède, ouais, ça c'était, ouais. C'était un bon moment. Je crois que je l'ai jamais regagné après, en fait.
pourtant j'ai toujours bien aimé. Tu l'as jamais gagné une deuxième fois? Je crois pas. Mais en fait, j'étais toujours plutôt bon, mais là-bas, la moindre erreur, tu finis sur un tas de neige. Ouais, t'as les murs. Et puis tu perds un temps fou, la moindre petite erreur. En fait, et souvent, je finissais par en faire une petite. Et donc, tu t'es senti comment là, en Corse, dans les dernières secondes? Parce que quand je gagne le titre? Ouais, quand vous étiez à 3 minutes de la fin, tu vois, où tu te dis putain, c'est maintenant quoi. Ouais, c'était compliqué à gérer. Heureusement que j'étais pas en bagarre à la seconde à ce moment-là et que je pouvais me permettre de gérer parce que c'était difficile d'être concentré à 100% dans le pilotage, dans l'attaque et tout, tu vois. Après, ouais, j'étais dans une situation où je pouvais me permettre de ne pas prendre de gros risques et puis c'est passé. Mais oui, c'est sûr que c'était un grand moment, parce que c'est quand même l'aboutissement d'un rêve. Quand tu es pilote en championnat du monde, ton but c'est d'être champion du monde un jour. Et toute une histoire même, ouais, du début, quoi, en fait, de ce qu'on disait avant. Donc là, là c'est l'accomplissement de quelque chose. Et à partir de là, j'avais moins de pression après, parce que je me suis dit, bon, le reste c'est du bonus en fait. Je suis arrivé à l'objectif. 9 fois de suite, c'est du bonus, ouais. Après, j'ai fait 8 bonus, ouais. Ouais, 8, ouais. Ouais, donc, là, c'est clair. Mais tu avais quand même une certaine pression. Enfin, je pense là, ta plus grosse pression, c'était avant tout ça, non? Ouais. Tu sais, le fameux stress que tu avais en saxo et tout ça, ouais. Bah, tu avais le stress. En fait, ça t'a aussi construit. Tu as suggéré ton stress grâce à tout ça. Tu avais le stress que ça s'arrête. Tu avais le stress de faire une erreur ou de ne pas être au niveau et machin. Mais une fois que j'avais mon premier titre, effectivement. Après, tu as toujours la pression de représenter un constructeur et d'avoir une attente en face. Ou de garder le titre aussi, peut-être, ouais. Même ouais, si mais bon, je l'avais eu. Il y en a combien qui en ont eu un déjà? Il n'y en a pas tant, mais il y en a combien qui en ont eu que un, donc si on peut dire. Et puis j'avais déjà mon statut de pilote officiel, j'avais déjà gagné de l'argent, enfin, j'étais dans une autre situation qu'avant, à ramer, à essayer de. Mais ça aussi, comment tu l'as vécu quand c'est arrivé d'un coup, ça, tu vois? Bon, ça, c'était un truc de fou. Sur les. Tu te dis, ça y est, c'est un changement de vie direct, tu vois. Bah ouais, c'était ça. Mais c'était mon premier contrat, il était pour le Var en 2000, quand justement Fréclin me fait faire le rallye du Var. Il m'avait demandé si j'avais envie de rouler au Var en Xara. J'ai dit, bah, oui, bien sûr. Donc, il dit, bon, bah voilà, tu vas là-bas, les recos, machin, tout. J'ai fait les recos et avant le départ du rallye, il me donne rendez-vous dans sa voiture et il me dit, ça tu le verras d'ailleurs dans le film. Et il me dit. J'ai pas encore vu, c'est vrai. Ouais. Oui, bon, écoute, faut qu'on signe un petit contrat parce que pour l'assurance et tout, faut que tu sois couvert. Donc, je t'ai préparé un petit contrat. J'espère que ça t'ira, tu vois. Et moi, à l'époque, j'étais, je sais pas, 10 000, 15 000 balles à la cave pour avoir essayé de payer mes recos, machin. J'étais en survie permanente. Et là, d'un coup, c'était une somme d'argent que j'aurais jamais imaginé gagner comme ça, tu vois. C'était en millions, je pense, non? Non. Même pas à l'époque. Non, mais c'était pour une course. Hein. C'était ma première course de pilote. Ah, je pensais la saison. Première course de pilote en championnat de France au Var. Mais déjà, ouais, c'est déjà conséquent par rapport à. Par rapport au niveau de vie qu'on avait nous, c'était déjà. C'était déjà énorme, tu vois. Donc, et ça a été le point de bascule. Et puis après, je dirais quand j'avais fait deuxième au San Remo et que après ça s'est enchaîné sur des contrats mondiaux. Mais après c'était un autre level. Voilà, quoi, après 2004, j'étais dans une situation où je savais que ma carrière était lancée, même si ça s'arrêtait demain, il y aurait d'autres choses à faire, mais c'était plus la même pression que de me dire putain, demain je fais une connerie, peut-être tout s'arrête là, quoi. Je retourne t'as une sécurité, au Calec et voilà. Ah, c'est ça. J'étais plus dans cette situation. Mais en même temps, c'est mérité. Mérité. Tu l'as pas volé, tu vois. Par le talent, j'ai la chance quand même. Par le talent, les gens qui t'ont aidé à. Les gens qui m'ont aidé, le talent, tout ça, mais j'ai quand même la chance de l'avoir eu, ce talent, et d'avoir ces gens qui m'ont soutenu. Ce que je trouve aujourd'hui, il y en a plein, ils ont un peu ils ont pas honte d'en parler, mais ils osent pas trop, tu vois. Mais je trouve que c'est normal d'en parler. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Mais je considère quand même toujours que c'est aussi une chance que j'ai eue d'avoir ces opportunités, d'avoir le talent, d'avoir su. Les gens qui m'ont suivi, parce que voilà, il y en a peut-être d'autres qui ont du talent et qui ne le savent même pas eux-mêmes. Ouais. Ça c'est vrai aussi, ouais. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont eu, mais ils n'ont pas eu cette opportunité de le montrer en fait. Je parle pas de moi. Hein.
Non, non, non. Après, il y en a d'autres, peut-être qui ont essayé de le montrer, mais qui se sont rendus compte eux-mêmes. Ils se sont trouvés dans un fossé. que c'était plus compliqué que ça. Après, moi, je suis plus un showman qu'autre chose. Hein. Je sais. Et justement, quand tout ça est arrivé, tes parents, ils pensaient quoi de tout ça? Quand ils se sont dit, ça y est, maintenant, t'es en 2004, ton père t'avait connu champion du monde ouais. encore. Hein. Ouais. Ouais, mais pas beaucoup, une fois. Il est mort en 2005. Ok, ouais. Ouais. Mais mes parents, quand ils ont vu que ça marchait, ils étaient super contents pour moi. Parce que avant ça, honnêtement, en tant que prof de maths, quand elle voyait ce que je branlais en première S, elle se disait, je pense qu'elle avait un peu honte, tu vois, plutôt. Et, elle t'a donné un volant, elle a dit vas-y. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est vrai que j'étais pas un exemple de motivation dans les études et tout ça. Et en fait. Quand ça a commencé le rallye, même avant d'être officiel sur mes courses et tout, quand elle voyait que ça marchait et tout, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours suivi en fait. Donc ils venaient souvent sur les courses, c'était cool, c'était une belle période. Mais même moi je la voyais des fois, on se voyait avec elle et... Enfin ta mère était cool quoi. C'était vraiment la... Elle se prenait pas la tête et... Elle était un peu... Enfin elle était... Elle était dans son monde, ouais, c'est ça, ouais. Faire chier. Hein. Et elle était fière aussi. Ça se voyait, elle en parlait souvent. Hein. Ouais, du coup, après, il y avait 2006 aussi, ce fameux titre où tu l'avais dit dans le livre, ça par contre. Hein. Là, je dévoile rien. Hein. Non. Tu avais fait quoi, du trial, non, ou du VTT, tu t'es pété le bras. Oui. Tu es quand même devenu champion du monde en étant chez toi, quoi. C'est ça. En moto, ouais, je m'étais cassé le bras et ça a été aussi un moment chaud, hein, parce que il était vraiment bien pété. Ça a mis un moment à se refaire. Finalement, j'ai tout récupéré nickel, mais c'était... En fait, j'étais tombé 2 semaines avant, je m'étais pété le petit doigt de pied. On avait fait faire une attelle et tout pour pouvoir faire le rallye d'après. J'ai fait le rallye d'après et le lendemain du rallye d'après, j'étais tombé de nouveau en moto et je m'étais pété le bras. Et effectivement, au début, c'était une histoire de vélo. Et puis après, je l'avais avoué. Ça, c'était un moment assez difficile parce que je ne pouvais plus participer aux courses. On avait envisagé toutes les solutions possibles, même de devenir copilote de quelqu'un juste pour marquer les points. Et finalement, Grönholm, moi j'avais une telle avance au championnat que lui, il finit par faire une connerie. En fait, il fallait, pour qu'il gagne le championnat, il fallait qu'il gagne les 4 dernières courses. Et parce que j'avais déjà presque 40 points d'avance à l'époque, okay, c'était 10 points la victoire. Ouais. Et en fait, il fait une erreur à la 3e course et donc je me retrouve champion du monde à la maison. C'était original, il fallait varier un peu les... Ça s'est jamais arrivé en fait, t'es le seul à avoir fait ça. Je sais pas, mais... Je pense. Champion du monde aux 100 mètres par exemple, je pense qu'il n'y a personne qui l'a gagné sans aller courir. Mais sur des championnats complets comme ça, je sais pas, en WRC, effectivement, je pense que ça n'a pas dû arriver souvent. Ouais. Et même quand on pense à 2010, tu vois, c'est là où c'est arrivé en Alsace aussi, ça aussi, t'es un peu le seul à avoir pu vivre tout ça. Ça c'est sûr, c'est là où moi je t'ai rencontré d'ailleurs. Enfin rencontré. Je connaissais avant, mais c'est là où on s'est vraiment connu. Ouais. Ouais, mais ça reste. Ouais. Ça fait le rallye de France, toujours rester les souvenirs les plus marquants pour moi. Ouais, parce que j'ai gagné le rallye, je gagne en même temps le titre pilote, on gagne le titre constructeur. À Agno. Tout ça à Agno, devant les potes, la famille, tout le monde. C'était. Ça, c'était un moment incroyable. Ouais. Et c'était arrivé aussi en 2012 après. Aussi, hein, ouais. Ouais. 2011, t'avais abandonné, ça, je sais. Ouais. C'est là où, l'après, on a fait une balade en hélico. Enfin, on est allé sur les spéciales et tout. Ouais. Ça, c'était cool aussi. Ouais. Moins pour moi, dans l'état d'esprit de base. T'as un problème avec la DS3, je crois, je sais plus ce que c'était, mais il y avait un problème. Pour le moteur. Ouais, c'était le moteur. Je me rappelle où c'était encore. Mais, le vendredi direct, non? Assez tôt dans le rallye, je crois. Ouais, ouais. Et après, le samedi, ouais. Et après, samedi soir, on a fait la fête. Et là, je me souviens, il y avait toi, moi et Hirvonen, et on pissait tous les trois l'un à côté de l'autre. Ah bon? Ouais. Ça, je me rappelle pas. Ça, tu te souviens plus, hein? C'est normal. Mais ça, c'est un souvenir que j'ai de 2011. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi la plus belle chose qui t'est arrivée dans ta vie, à part la naissance de Valentine et notre rencontre, évidemment. Hein. À part, tu sors ces deux trucs. C'est quoi le plus... J'en sais rien. Écoute, je dirais la chance d'avoir. Par rapport à ta vie en général. Hein. Par rapport à ma vie en général, d'avoir. D'avoir eu la chance de faire la carrière que j'ai pu faire parce que ça a déclenché tout le reste. Ça a déclenché toutes les rencontres que j'ai faites. Ça a déclenché ma possibilité d'aller faire d'autres trucs, d'autres courses. Ce que j'ai fait en WRC aujourd'hui,
Ça m'a permis de faire du rallycross, de faire du circuit, de faire Pikes Peak, de faire le Dakar, de construire ma maison. Donc à la fin. D'ailleurs, il y avait un truc aussi, tu avais un peu touché en 2006, je crois, par rapport à la Formule 1. Tu avais fait un essai avec Red Bull. 2009. Et tu aurais pu intégrer ce championnat? Il en avait été question, ouais. Et c'était quoi alors qui a fait que. Bah, ce qui avait fait que, en fait, à la base, c'était juste une séance d'essai pour le plaisir, parce que j'étais champion du monde rallye et ils savaient que j'aimais bien la F1. J'étais sponsorisé par Red Bull. Et t'as tapé le chrono, quoi. Et ils me faisaient toujours des petits cadeaux. Une fois, c'était de faire un tour en hélico avec leur hélico d'acrobatie. Une fois. Et là, c'était de participer à la séance officielle de F1. Ça, c'est ouf, quand même. Voilà, donc j'ai participé à la séance. Et à la fin, je fais, je fais milieu de tableau, en fait, la journée, en fait. Donc, je suis pas dernier. Des 20 pilotes officiels. Ouais, il n'y avait pas tous. En fait, c'était. Il y en avait quoi. Il y avait la moitié du plateau qui roulait ce jour-là et l'autre moitié, une autre moitié qui roulait l'autre jour. Et donc, je me bats avec les meilleurs. Je fais le 8e temps sur 16 ce jour-là, tu vois. Et donc, de là, ça leur a donné des idées. Ils se sont dit, putain, l'autre, il monte pour la première fois dans la F1, il va déjà au rythme des autres. Peut-être qu'il y a un truc à faire, et en fait, effectivement, après, il m'avait contacté en me disant « Tiens, on pourrait peut-être essayer de faire la fin de saison. » Et ce qui a fait que, c'est que à ce moment-là, en rallye, ça a commencé à moins bien se passer. Problème technique, problème moteur, sortie de route. Et en fait, ils se sont dit « Bon, peut-être que faut quand même rester focus sur ce qu'on a à faire, qui est la priorité, c'est quand même aujourd'hui le rallye. » Et d'un côté, t'as bien fait, je pense, parce qu'après, tu vois là… Le palmarès que tu as eu, Bon, ça c'était déjà 2009, j'étais déjà 5 fois champion du monde. Je crois 2006. Non, 2009. Ah ouais, ok, ouais, c'est vrai que... Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, par rapport à tout ça aussi, à 2010, parce que je sais que nous, la première fois qu'on s'était un peu vu, c'était à la FNAC, à Strasbourg, quand tu as fait l'inauguration de ton livre. Ah oui. Avec Seb Keller. Ouais. Et c'est là où toi, tu m'avais repéré dans le public. Bah, je t'avais reconnu. Et à un moment, tu me vois de loin et tu me montes du doigt et tu dis, toi, tu gères, toi. Et c'est là où, la première fois, On s'est embrassé. Ouais. Ça devait être de ces conneries-là que je te connaissais. Ouais, c'est parti de là, ouais. Voilà. Et après, il y a eu la fameuse ridicule. Ouais. C'est là, machine de guerre, ça. Ça c'est... Mais c'était quand même... directement, je voulais quand même te remercier, tu vois, par rapport à tout ça. Parce que c'est aussi ce qui m'a un peu lancé, moi, dans mon délire, tu vois, où après j'ai eu plein de contacts, des rencontres. C'était quand même un truc de ouf, tu vois, genre au Rallye de France 2011, quand on a fait le roadshow à Guenot, à la Power Stage, en WRC. Quand après on est arrivé à la mairie, il y avait plein de monde qui était là, il y avait... Enfin, les gens, ils tapaient sur la caisse et tout, enfin, c'était un truc de ouf, tu vois, pour nous. T'étais en train de faire vie ma vie avec moi, presque, en fait. Ouais, presque, presque, mais en moins, en low cost, tu vois. Mais on a ressenti à notre niveau, on a ressenti le même truc, tu vois. Il y a une question un jour que. Enfin, est-ce qu'il y a une question que tu n'as jamais posée? Non. Que tu aurais aimé qu'on te pose? Celle-là? Non, mais. Je crois que c'est la meilleure réponse de la question que tu aurais aimé qu'on te pose. Donc la réponse est celle-là, quoi. C'est celle-là, voilà. Ouais. Bon, merci d'être venu. Enfin, d'être venu, c'est moi qui est venu, en fait. C'est le guy's bar. Merci d'être venu, ouais. Non, moi j'avais une question. Tu peux repartir avec ta voiture. Toi, tu restes là après? Ouais, moi je reste là. Et toi, tu repars avec ma Puma? Ouais. Je l'aurais dit Prima, non? Ah oui, bah, ouais, j'ai roulé fort. J'ai une Prima ST, c'est bon. Ah. 200 chevaux, à Cannes. Ah, mais je la connais, j'ai roulé avec en double versier l'année dernière. Ah, sérieux, c'est vrai? Ouais, je savais pas. Ah, c'est pas là où tu avais gagné avec Isa? Si. Ouais. C'est vrai, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas dit que c'était avec la tienne. C'est toi qui me l'avais prêté. C'était avec la mienne, ouais. Voilà, c'est un scoop. Mais ça, par exemple, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Non. C'était quand même une victoire de ouf aussi dans ta carrière. C'était un peu la cerise sur le gâteau, tu vois. Tu débarques avec Isa. Bah, tu vois, ça reste un de mes meilleurs souvenirs de rallye, parce que... T'avais pleuré en plus. Enfin, t'étais ému. Oui, bah, j'étais forcément ému, mais justement, ouais. Tu vois, parce que j'ai 48 ans, ça fait 10 ans que j'ai arrêté le WRC, que j'ai fait 3 courses ici à droite, à gauche, mais voilà, sans faire de championnat. Je reviens avec une caisse comme ça, avec une nouvelle copilote. Je débarque à peine du Dakar, je fais une journée d'essai, je pars dans le truc et je gagne le rallye, tu vois, donc... Ça, c'était quand même une vraie satisfaction, surtout que les années que j'avais fait avec Hyundai, j'ai pas gagné. J'ai fait des troisième places, des trucs corrects, mais j'étais pas autant aussi bien qu'avec la Puma. Et parce qu'avec la Puma, toutes les autres courses que j'ai fait l'année dernière, tous les rallyes que j'ai fait, j'ai toujours été en tête à un moment donné du rallye. Après, j'ai fini genre
trois ou quatre fois avec des problèmes mécaniques. Mais ou deux fois avec des problèmes mécaniques, une fois j'ai tapé un muret là, mais j'ai toujours été en tête des rallyes. Donc ce qui veut dire, c'était pour moi une satisfaction de me dire, tiens, j'arrive 10 ans après, je suis quand même encore capable de rouler avec les meilleurs en mondial, c'était cool quoi, tu vois. Et quand tu étais jeune maintenant, c'était quoi ta plus grosse connerie? J'ai jamais fait de conneries moi. J'ai des témoins. Hein. Ah bon? T'étais pas né? Hein? T'étais pas né toi? Non, c'est vrai. Oh, tu sais quoi, des vraies conneries, rien de violent, honnêtement. Après, je parle en bagnole. Des hein, conneries en ça, voiture, hein. Ouais, voilà. Ouais, mais tu sais quoi, les conneries en bagnole, je sais pas si t'as vu récemment, là. Mais faut pas trop que je me prononce sur le sujet, parce qu'après, on dit que j'incite les gens à aller vite. Ouais, grave, j'ai vu. Et je t'ai même défendu, hein. Ouais, bah ouais, mais c'est le monde actuel des réseaux sociaux. Moi, j'ai du mal avec ça, hein. Franchement, j'ai du mal à m'adapter à ce monde-là. Hein. Parce que moi, après, je suis très à l'ancienne aussi. Tu vois. Et c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que toi, tu sais, t'en as plein aujourd'hui qui sont connus, machin, ils ont de l'argent. Mais toi, t'es resté simple. Tu vois. Et ça, je te défendrai toujours, quoi qu'il arrive. T'es resté humble. T'es avec toi au restaurant. Je suis resté moi-même. T'as l'impression que t'es avec le paysan de Sébar, tu vois. Merci. C'est un compliment, ça. Ah ouais, mais bah, putain, c'est bien. Faut le prendre quand même. Non, mais je le dis souvent. Non, mais c'est sûr, t'es pas du tout dans ce monde. T'es bling bling, ouais, non. T'es resté simple, t'es à l'alsacienne, tu vois. C'est pour ça que maintenant on va se faire une côte de bœuf. Ça marche. On va s'ouvrir une bouteille de rouge. Voilà. Et on va terminer sur ces mots-là. Bonne idée. Voilà. Parce que ça fait quand même une heure. Par contre, tu m'as filé un tire-bouchon de. De professionnel. Un peu bling bling, par contre. Moi, je retire tout ce que j'ai dit. Le mec, je lui demande un tire-bouchon, faut mettre du wifi dessus pour l'ouvrir. Tiens, je te laisse l'ouvrir. Il n'y a pas le wifi ici. Non. Non, on ne pas jusqu'ici. Ouais. Je te laisse faire, je sais pas comment ça marche. Moi, tu sais, j'ai l'habitude des trucs. Tu sais où tu. Ouais, où tu tires quoi. Où tu tires, ouais. Parce que nous, on aime bien tirer. On parle toujours des bouteilles. Hein. Et d'ailleurs, vu qu'on parle un peu de monde moderne, par rapport. Moi, je suis très jeux vidéo et tout ça. Tu penses quoi, toi, des simus maintenant qui sont actuels, toi. Tu penses que c'est très proche de la réalité ou... Franchement, Simu et certains logiciels aujourd'hui sont quand même très bien faits. Je dirais presque plus en circuit qu'en rallye pour l'instant. Après, tu as les Simu qui retranscrivent rallye, les mouvements y a pas et trop, tout. Rallye, si, c'est y a Richard Burns Rallye, c'est un vieux jeu des années 2000. Et tu l'as déjà essayé? Non. J'ai Dirt, moi. Non, mais Dirt, c'est l'arcade. Tu veux que je te serve un verre de rouge? Ouais, vas-y. Dirt, c'est. Alors, plutôt double versé. Dirt, c'est. Ouais, tu penses pas. Ouais, franchement, je suis pas spécialiste. Ouais. En fait, moi, je roule plus sur des trucs comme. Dirt, ça glisse trop, je trouve. Je sais pas. C'est... Je roule plus sur des trucs comme. Ah ouais, toi, la glisse, c'est pas trop ton truc. Et voilà, ça clash de nouveau. Ça dépend laquelle. Non, moi, je suis plus sur des. Les trucs qui sont vraiment simulation, c'est plus en circuit, comme e-racing et des trucs comme ça. Ouais, c'est clair. Et les simus, moi j'en ai un justement, Gisèle, ils m'ont filé un simu là. Et, c'est pas pour la pub, hein. C'est jamais. moi je suis sponsorisé par AirSeat, mais sinon. Mais c'est bien fait, hein. T'as les mouvements, non, le clair, machin, ouais, et les courses, ouais. Ça sont vraiment bien faites. C'est que des trucs en ligne, donc. Et c'est pas trop non plus abusé, je pense, les vérins et tout. Les mouvements, là, non, c'est des petits trucs secs qui essayent de retranscrire un peu les sensations. Oui, aujourd'hui, les simus, c'est quand même bien fait. Moi qui. Toi, à l'époque, tu t'es entraîné pour le Mans. T'avais fait le Mans, ça, on en a pas parlé en 2006. Sur la PlayStation. Ouais, et t'avais fait ça dans la Play. J'avais appris le circuit. Ouais. Mais aujourd'hui, encore là, quand j'ai roulé à Portimao l'année dernière, j'ai fait une course en circuit. Je pense que tous les pilotes circuit aujourd'hui, ils utilisent ça pour parce que c'est vraiment bien retranscrit. Les points de freinage, tout est vraiment, vraiment bien. Donc ouais, pour le circuit, c'est un outil de travail. Pour le rallye, ça ne l'est pas encore parce qu'il n'y a pas la retranscription des spéciales et tout ça. Les rallyes, c'est plus technique aussi. Il y a plus de paramètres. Et les rallyes, les spéciales, elles changent tous les ans. Ouais. Tu n'as pas les vaches qui traversent, tu n'as pas les... Ouais, et puis il faudrait surtout modéliser toutes les spéciales chaque année. Pour pouvoir les travailler avant et qu'elles soient modélisées à la perfection, ça coûte une fortune de modéliser. Ils font un circuit qui fait 4 km, en rallye, chaque rallye fait 200 bornes de spéciales différentes. C'est ingérable en fait. Pour moi, un bon jeu de rallye un jour, c'est un jeu de rallye où les spéciales sont créées aléatoirement. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, admettons que tu joues en ligne avec un mec, le gars il connaît la spéciale par cœur du jeu, il te met la race. Ouais. En fait, il faudrait un jeu qui te génère les spéciales
de façon aléatoire avec des notes. Que tu fasses les recos, voilà. Ou soit que tu fasses les recos. Ou que tu aies les notes, tu vois. Soit que l'ordinateur fasse les notes en fonction des angles de virage, mais de façon précise, avec des paramètres précis pour que les notes soient précises. Mais le mec, il ne connaît pas par cœur. Parce que c'est aussi le problème dans certains jeux, c'est que tu as les notes, tu te prends au jeu, et machin, droite 5, gauche truc, et, et d'un coup, le droite 5 d'après, putain, il tombe plus que celui d'avant, et blaoum. C'est ce qui m'est arrivé au bossu. Voilà. Ah ouais, t'as mal pris. Faut de la copilote. Ouais, ça je peux pas dire, parce que c'est pas vrai. Ouais. Je peux pas foutre dans ma mère ma chérie, là. Parce que... non, elle a bien dit gauche. Mais après, c'est vrai que la note qu'elle a dit, c'était sur le sec. On a fait les recos sur le sec. Et pour moi, c'était pas, ça glissait pas autant que... Voilà, donc... Bon, bref. Ouais, toi, pas... tu peux pas dire que c'était elle, parce que c'était ta chérie qui a été à côté. Ouais, sinon après, je suis célibataire et c'est la merde. Ouais, okay. Tu vois, c'est tout l'intérêt de prendre un mec comme Elena. je vais lui demander. Donc, Seb, je sais que toi, la côte de bœuf, c'est ton péché mignon. Ouais. Et moi aussi, d'ailleurs. Tu vois, c'est encore un... On a quand même quelques points en commun. Hein. Pas le pilotage, peut-être. Ah. Mais déjà, le 3. Moi, mon 3, c'est mon chiffre. Et ça, tu m'avais demandé aussi un jour. Tu m'as dit, pourquoi le 3? Ouais. Ouais. Et en fait, le 3, c'est un truc avec un de mes meilleurs potes. On avait un signe avec un 3. Et en fait, moi, Ayrton Senna... Tu faisais comme ça, tu disais salut, salut. Non, mais t'es pas loin. T'es pas loin. On avait toujours un groupe de potes. Et dès qu'on voulait se voir seul, on faisait comme ça. Et après, il n'y a pas de lien. Hein. Mais c'est vrai que toi, quand tu étais champion du monde la première fois, t'avais quel numéro sur la voiture? Et là, il me dit 12. C'est le truc qui flamme le truc. T'avais un 3, normalement. Ouais, c'est sûr. Sûr et certain. Franchement, si t'avais pas le 3 en 2004, je me fous dans l'eau, là. Le mec, il va vérifier maintenant. Ouais, je crois que t'as peut-être raison. Hein. Ah, tu vois ouais. Donc ça va, je vais pas dans le lac. J'ai pris une photo, l'Up 2004, Jacques Zara, j'ai regardé, il y a le 3 dessus, donc je pense que t'es pas loin de la vérité. Putain, celle-là, elle sent bon. Alors ça, c'est maintenant une côte de bœuf de Jean-Luc, qu'on connaît hein, tous les deux. Hein. Jean-Luc Hoffmann, c'est pas pour la pub. Hein. Non, il y a plusieurs casquettes d'ailleurs. C'est vrai. Et en fait, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que toi, t'avais commencé à la base dans la gym, c'est aussi ce qui t'a un peu forgé. Ouais. Au niveau physique et mental. Je pense que, ouais, probablement que mentalement, ça te donne une bonne base parce que tu te retrouves à faire des compétitions. La gym, ça t'a vraiment stress sur l'instant, tu vois. C'est, t'as 20 secondes pour faire ton mouvement devant tous les juges. T'es en train de, t'as 12 ans, tu joues, c'est ta passion et t'as envie de faire bien. Donc, t'as une gestion du stress en gym qui est vachement importante. Et aujourd'hui, grâce à ta fille, tu peux le vivre encore aussi, non? Parce que tu la soutiens beaucoup, toi. Elle est à fond là-dedans, non? Ouais, Valentine. Elle est bien, ouais. Elle fait ça. En championnat et tout? Ouais, ouais, elle a les championnats de France ce week-end. Ok, ouais, bah voilà. Ouais. Donc, ce week-end, je suis chauffeur pour aller l'emmener tu vois, dans le sud. Tu es passé de ne pas champion du monde à chauffeur ouais, pour ta fille. Et c'est exactement ce que je fais parce que quand je suis pas pilote, quand je suis chez moi, je suis chauffeur de ma fille. Je l'emmène à la gym à peu près tous les soirs parce qu'elle s'entraîne, elle a quand même 6 fois par semaine. Et c'est quand même à 30 bandes d'ici. Oh, je crois que c'est bon. Hein. Attends, je vais la retourner une dernière fois. Oh putain. Bon, là, on va déguster cette bonne côte de Jean-Luc. En tout cas, merci Seb pour l'accueil. Hein. Merci. Et si jamais il te faut un pilote ou de voiture ou d'hélico, je suis là. Hein. Je cherchais justement parce que pour la tondeuse, tu fais ça? Je fais. Tu fais la tondeuse. Faut juste faire gaffe au fossé. Hein, parce c'est un peu raide, ouais. En tout cas, merci. Hein. Allez, merci.